Hello les jolies, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver au magasin Stokomanie de Saint-Maximin pour une nouvelle vidéo d'arrivage spéciale jardin. Je propose qu'on découvre ensemble les nouveautés. On peut commencer par ce petit siège, comment on appelle ça, une balançoire? Non, c'est un fauteuil suspendu. Il est à 30 euros, c'est celui que vous voyez là. 30 au lieu de 40, hein, donc en macramé. Vous voyez, vous le suspendez comme ceci. Il y en a pas mal en stock d'ailleurs. Ouais, il y en a plein en stock. C'est une place, voilà, je vais vous donner peut-être le diamètre. Ouais, c'est 1,20 m de hauteur, 80 cm de diamètre. 30 euros. La tonnelle que vous voyez là, elle coûte 60 euros. La cime, elle fait 3 mètres par 3 mètres. Donc c'est de la tonnelle standard, on va dire. La structure, elle est en métal. Et voilà, la toile en tissu déperlant, bien sûr. Hein. 60 euros, 3 mètres par 3 mètres. La couleur est jolie. Juste en dessous, bah écoutez, il y a un barbecue camping gaz. Il est à 200 euros. Vous avez 3 brûleurs. Alors, l'avantage, là, il n'est pas totalement monté. Alors, je vais faire attention de ne pas tout casser. C'est que vous avez une partie plancha que vous pouvez enlever, hein, bien sûr, faire que de la grille. Il y a les roulettes. La structure, elle est en bois véritable. Je crois que c'est du bois d'eucalyptus. 200 euros, c'est la marque camping gaz. Allez, je vous emmène ici parce que c'est trop mignon, ça, les petits coussins de sol. Je les ai repérés quand j'étais de l'autre côté, ils sont à 10 euros pièce. Sympa, non? Ça, c'est le noir. Alors, pour la dimension, je vais vous donner, ça doit être du... Ouais, c'est 38 par 38. Et vous avez celui-ci, au même prix, vous voyez, avec petite partie tissu tropical. Les deux sont sympas. Les ronds, ils sont à 10 euros aussi. Et là, derrière, on en a d'autres qui sont déhoussables cette fois-ci. Alors, je suis sous la tonnelle, donc peut-être que vous allez rien voir. Je vais me mettre comme ça. Ils sont à 6 euros, ceux-là. Vous voyez, il y a plein de coloris différents. C'est du double face. Hein. Pour le coup, j'ai quand même une petite préférence pour les coussins de sol. Et si je ne fais pas une bêtise, ça ne va pas. Donc, 10 euros pièce. Alors là, j'ai des superbes chaises à Mac, mais j'ai pas le prix. Ça, c'est dommage, parce qu'elles sont sympas. C'est des... on s'en sert comme une chaise, hein, mais c'est une structure de hamac. Bon, on va continuer, on va voir après. Ce que vous voyez là, ce sont des fauteuils Tour de France. Et ça coûte 15 euros. Voilà, s'il y a des fans dans la team, sachez que vous avez des fauteuils Tour de France chez Stokomanie. On a un prix choc ici sur les brise-vues roseaux. C'est 3 mètres de hauteur. 1 mètre de hauteur, 3 mètres de longueur, pardon. C'est 8 euros. C'est pas très cher. Allez, si vous voulez donner un petit coup de peps à votre, à votre jardin, vous avez des cacatoès. Ça me fait rire parce qu'ils sont vraiment mignons. J'avais déjà vu des vidéos sur ces oiseaux qui sont très particuliers. C'est 12 euros le cacatoès. Trop, trop chou. Les tasses à café géantes, elles sont à 10 euros. Je rigole parce que là, j'adore le café. Donc, je me dis, si je mettais un pot de fleurs, tasse à café dans mon jardin, c'est 10 euros. Elles sont sympas, hein, vous voyez, vous avez ces deux couleurs-là. Et au milieu, la petite lanterne que vous voyez, elle est à 5 euros. Voilà. En dessous, on a des chariots de jardin pliables à 50 euros. Donc, faible encombrement, hein, puisque vous pouvez le plier, le ranger. En déplié, sans la poignée, il fait 1 mètre par 50. Et plié, du coup, il fait 75 cm de hauteur, 20 de profondeur. Par ici, vous avez des grandes thermos. Super pour l'été. Alors, je cherche le prix. C'est 10 euros pièce. Sympa quand on reçoit. Et c'est presque 2 litres de contenance. Hein. Ici, vous avez des sacs isothermes trollés. Ils font 30 litres de contenance. Ils sont à 17 euros. Pratique si vous voulez, j'allais dire kidnapper, mais je dis des conneries. Pique-niquer en famille. C'est très sympa. À côté encore, il y a les fameux paniers isothermes. Ceux-là, ils sont à 13 euros. Ils font 30 litres de contenance. Donc pareil. Hein. Sauf que celui-là, il est à portée. Mais c'est vrai que c'est sympa aussi pour pique-niquer en famille. Ou même en vacances quand on va à la plage. Hein. Mais l'histoire du trolley, je trouve que c'est bien pratique. À 17 euros, c'est pas mal. Et enfin, ici, on a du plus petit format. C'est 15 litres. C'est 7 euros. Et vous avez toutes les couleurs qui sont là. Celle-ci aussi. Les fours à pizza, je vous les ai montrés, hein, ils sont à 110 euros au lieu de 120. Et les barbecues comme ceci, ils sont à 65 euros. Sur pied, barbecue boule.
par ici, il y a des bacs de culture à 10 euros. Vous les avez en marron ou en gris, donc c'est à monter soi-même. Il faut 48 par 48. Les dalles en bois pour, ou dalles de gazon, c'est 16 euros. Donc 16 euros, c'est du 30 par 30. Et vous en avez 6 par carton. Et à côté, on a celle-ci, c'est des dalles effet galet, c'est du plastique. C'est 7 euros les 4, 29 par 29 pour la dimension. Les pots, ils sont sympas ceux-là en métal, ils sont à 2 euros. Il y en a chez Action aussi, mais là c'est vrai qu'il y a des couleurs sympas, hein. Orange, jaune, vous avez du bleu, du rose. J'en ai acheté l'année dernière chez Action, pas ici, c'est sympa. Donc c'est 2 euros pièce. Et ici vous avez les pots doubles, si vous voulez faire planter quelque chose, ceux-là ils sont à 3 euros. Toutes les semences, c'est 1 euro pièce. Donc là, on a de la carotte bio. Enfin, c'est des semences bio, hein, toutes. Vous avez de la coriandre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a peut-être des tomates. C'est peut-être trop tard, là, pour planter les tomates, non? On a ça, les petits concombres. C'est 1 euro au choix, le petit sachet. Les flamants roses, c'est 4 euros pièce pour planter dans son jardin. Et ici, vous avez des râteaux pour enfants à 4 euros. Si vous voulez faire une petite activité ludique, les pelles, c'est le même prix. Hein. Là, ça fait beaucoup de roses. Hein. Le gazon artificiel, vous avez des grandes découpes comme ceci de 1 mètre carré. C'est 8 euros pièce. Pot en carreau de ciment, c'est 3 euros. Ils font 10 par 10. Vous avez d'autres modèles. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des petits patins en dessous. Ils sont très jolis. Et vous en avez des ronds comme ceci à 3 euros, style ethnique plutôt. Les nains de Blanche-Neige. Alors là, j'ai pas le prix, malheureusement. C'est les vrais nains, hein, on est d'accord. C'est les vrais nains de Blanche-Neige, non? Achoum et tout ça, paresseux. On dirait vraiment eux, en tout cas. J'ai pas le prix. À côté, il y a des petits bouddhas pour mettre en déco zen. À côté de la piscine, si vous en avez une, ou sur une terrasse. Ils sont à 12 euros. Bouddha Siddhartha. Les nichoirs, c'est 4 euros. On a encore des petites décos ici à 4 euros, l'éléphant. Et le Bouddha avec la petite plante grasse, c'est 3 euros. Ah, il y a le retour des pommes. Elles sont à 2 euros. Pommes en ciment. Et le petit animal, là, le petit oiseau, il est à 2 euros. Les jardinières que vous voyez là. Alors, il y a deux tailles. Hein. La petite qui est à l'intérieur, elle est à 10. Et la grande, elle est à 12. Alors, c'est du jonc. La grande, elle fait 50 de largeur. Ok, et la petite elle fait 44. Et c'est le même système pour les carrés. Donc 8 euros la petite en 40 de largeur. Et en 50 c'est 10 euros. Elles sont pas mal, elles sont de belle qualité. Les petits pics insectes que vous voyez là, ils sont à 3 euros. Ils sont mimi, hein, ils sont énervés mais ils sont mimi. Si vous cherchez un trampoline 1 mètre de diamètre, moi j'ai très peur de ça à chaque fois pour les enfants. J'ai trop peur que ça finisse mal. Ils sont à 40 euros ceux-là. Et à côté, vous avez des balançoires à 70 au lieu de 80. Donc c'est pour les enfants de 3 à 8 ans. 1,85 m de hauteur, 2,21 m de largeur. Pas mal. Encore à côté, on a quoi ici? On a une trottinette tout terrain à 70 euros. Elle n'est pas électrique. Non, non, elle n'est pas électrique. Bon, les fameuses crocs, c'est la base. Hein. 5 euros la paire, les sabots. Mon mari me disait toujours non, jamais, 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 au grand jamais. Je lui en ai acheté, je l'écoute au moins pour le jardin. Et bien il les met maintenant. Il me dit c'est bien pratique pour connaître. Donc c'est 5 euros la paire, il y a plein de pointures. Et vous avez des modèles fleuris comme ceci pour vous, mesdames, au même prix, à 5 euros. Donc, voilà. Allez, pour mettre dans le jardin, si vous cherchez un spa, vous avez un Intex ici à 450 euros. Donc pour 4 personnes, spa gonflable. Les maxi drap de bain comme ça en XL. Ils font 1m40 par 1m80, ils sont à 20 euros. Et vous avez plein de couleurs, hein. Vous avez du marron, du rose. Les balais d'extérieur comme ceci, ils sont à 7 euros. Et vous avez les balais, c'est le même prix, attendez. Pour ramasser les feuilles. Non, c'est 5 euros pour ramasser les feuilles. Mais par contre, les balais comme ça d'extérieur pour gratter les dalles et tout, c'est 6 euros. Le terreau de rempotage, c'est 2,50 euros. Il y a 1,5 kg, donc 3 litres.
Vous avez du terreau universel ici à 6 euros, donc c'est du terreau bio. Hein. Et normalement, il y a un grand format, mais je ne l'ai pas ici. Par ici, on a de l'engrais naturel universel à 3 euros. Vous avez de l'engrais pour petit potager à 3 euros. Pistolet d'arrosage, c'est 3 euros. Ici, on a des lampes solaires. C'est 8 euros les 7. Râteau, binette, 5 euros. Donc, c'est manche télescopique. Hein. Il fait 70, vous pouvez le monter jusqu'à 1,02 m. Et après, vous avez le petit format ici d'outillage à main. C'est 2 euros pièce. Voilà, au choix. Voilà les jolies, ma vidéo du jour est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker cette vidéo. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée. Et puis, on se retrouve un petit peu plus tard pour une nouvelle vidéo d'arrivage. Prenez soin de vous, surtout. Bye bye.